Aujourd'hui, nous organisons le salon de la jeune femme entrepreneur qui vise vraiment à mettre en valeur ces femmes-là qui se lèvent le matin très tôt, qui souvent sont étudiantes, souvent employées et qui essaient de tant bien que mal participer, ou ne pas dire contribuer au développement du tissu économique marocain. Voilà, donc on a voulu mettre ces femmes-là en valeur et on les a ramenées. C'est des femmes qui viennent de quatre coins de l'Afrique, hein. C'est des Congolaises, c'est des Ivoiriennes, c'est des Sénégalaises, c'est toute l'Afrique qui est représentée et ça fait plaisir ici à Benguerri. En fait, Entrepreneur Academy, on est vraiment focus sur le mindset entrepreneurial. Nous, on se dit que le plus important pour nous, c'est que l'entrepreneur ait le bon mindset. Et ce bon mindset, il n'est pas forcément pour une seule type de personne. Nous, on est ouvert. On a des événements pour que pour les femmes, des événements pour des étudiants, des événements pour des lycéens, des événements pour des staffs. Voilà, on n'est pas forcément limité sur une cible. On est vraiment là pour tout le monde et on est seulement ouvert à pour tous ceux qui veulent développer une entreprise, développer une idée entrepreneuriale et se lancer. Voilà. L'écosystème entrepreneurial au Maroc, on va dire qu'il y a déjà, il y a beaucoup de choses, je dirais même souvent trop précipitées, mais il est là, il existe quand même. Il y a des structures de financement, il y a des structures d'accompagnement, il y a des structures d'accélération, il y a des structures d'idéation. Donc l'écosystème est là, il est là. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, je me dis, le plus gros challenge au Maroc aujourd'hui pour les entrepreneurs, c'est le mindset. Parce que le mindset, c'est le plus important. Il faudrait que les entrepreneurs sachent pourquoi ils sont dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils veulent dans l'entrepreneuriat et quel objectif ils veulent atteindre dans l'entrepreneuriat. Et tout ça est résumé dans le mindset. Si on arrive à gérer ce mindset-là, à l'améliorer, je pense que l'écosystème prendra tout son sens et ne sera plus un mythe. Bonne journée de la femme. Et voilà, les femmes sont merveilleuses, elles sont entreprenantes, elles sont entrepreneurs et elles sont ambitieuses.